Allez, ça vous n'approchez pas trop du parc. Faut filmer là. Ouais. Allez hop. Allez hop, on y va. On a bien de l'OGM, où soit carrément c'est marqué sur les bons de livraison, étiquetage OGM, soit c'est marqué standard, ce qui veut dire OGM. Et on a le responsable de la mise en circulation, Louis Dreyfus Compagnie, dont certains ont entendu parler dans la dernière émission de Cache Investigation. Voilà, donc on sait que c'est du produit qui vient du Brésil, OGM, traité en végétation, glyphosate. Ah, c'est que les propriétaires du lieu sont très réticents à nous donner des informations, donc à la limite ça nous met un petit peu, ça nous motive en disant il y a des choses pas normales qui se passent ici. Et puis deux, les papiers qu'on trouve et tout sont conformes à nos attentes. Donc maintenant il faut qu'on arrive à prélever différents échantillons. Même si on le fait par nous-mêmes, et puis on va les faire analyser ensuite. L'important, c'est d'informer les consommateurs sur les millions de tonnes de soja OGM qui rentrent en Europe. D'accord, donc c'est mission accomplie ce matin pour vous. Pour le moment, c'est bon. Ouais. C'est bon, d'accord. Là, la suite du mouvement, vous continuez sur Saint-Nazaire, c'est ça? Après, cet après-midi, on refait la même chose à Saint-Nazaire. D'accord.